les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'espace, un thème qui m'a été proposé par Cœur Vanille. Donc Cœur Vanille, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. J'espère d'ailleurs que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour savoir si ça vous plaît. Donc le thème, je l'ai un peu revisité façon Tumblr, de façon à ce que ce soit plus facile à incorporer dans les chambres. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, parce que moi j'ai fait comme d'habitude un réel plaisir à la réaliser. En attendant, n'hésitez pas à partager également la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous mets également mon petit Instagram juste là, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un morceau de bois, d'un carton recyclé, de la peinture, d'un pinceau, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, de la ficelle, de colle chaude et de petites décorations. C'est parti! Pour commencer, tracez un cercle. Alors moi j'ai utilisé tout simplement un petit verre à eau, donc voilà, c'est très simple. Sinon, utilisez un compas. Ensuite, découpez vos formes. Maintenant, on passe à l'opération peinture. Donc moi j'ai utilisé une peinture argentée, mais si vous n'avez pas ce genre de peinture, utilisez juste du gris. Pour donner du relief et un peu plus de caractère donc à mes formes lunes, j'ai utilisé le pinceau et le bout de mon doigt pour en fait faire plein de petites gouttelettes. C'est hyper simple et ça a un rendu juste génial. Pour la deuxième partie de ce DIY, vous allez attacher la ficelle à votre morceau de bois de chaque côté. Ajoutez un petit point de colle chaude de façon à bien fixer la ficelle sur le bout de bois et pour que ça fasse beaucoup plus propre. Ajoutez des ficelles sur votre bois de la longueur de votre choix. Et maintenant, place à la décoration.
deuxième DIY, vous aurez besoin d'un tambour à broder, de tissu noir, d'un stylo correcteur blanc et d'un crayon de couleur blanc. C'est parti! Pour commencer, insérez votre tissu noir dans votre cercle à broder. N'hésitez pas à bien tendre le tissu. Ensuite, utilisez une image pour faire votre constellation. Donc moi, la constellation, si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est tout simplement mon signe astrologique Sagittaire. Il ne reste plus qu'à couper le surplus de tissu de façon à ce que ce soit très propre. Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin de carton recyclé, de coque de portable transparente, de peinture, d'un pinceau, et d'une paire de ciseaux. C'est parti! Commencez par tracer le contour de votre coque de portable. Et tracez les petits cercles d'appareil photo. Découpez le tout. Et maintenant, place à la peinture.